Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans le cadre d'un nouveau décor pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Un nouveau rendez-vous de 26 minutes, donc toutes les semaines, entièrement consacré à l'environnement, ou plutôt à la manière dont il faut agir pour protéger cet environnement. Agir pour l'environnement au quotidien, évidemment que c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Pour ce premier numéro d'APE, Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer en personne, qui nous livrera en exclusivité sa vision politique en matière de protection de l'environnement sur Mayotte. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre la problématique du traitement de nos déchets avec nos équipes qui sont parties à la rencontre de ceux qui gèrent nos 65 000 tonnes de déchets par an. Une enquête signée Pierre Bellucci. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, des professionnels du traitement des déchets, avec notamment Madi Saïd, fondateur du Sidevam. On aura également Andrian Toalibo, qui est directeur d'exploitation de Enzo Technique Recyclage. Iyab Ismail pour la DEAL, il est dans le service, appui aux équipements collectifs. Et puis forcément, on aura Anne-Constance Onguena pour évoquer les bons gestes. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure en fin d'émission. Tous les jours, on collecte 177 tonnes de déchets et la grande majorité est destinée à l'enfouissement. Seulement une toute petite partie au tri sélectif. Alors, que deviennent nos déchets? Comment est-ce qu'ils sont éliminés aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils le seront demain? Pierre Bellucci, Adèle Laurent, Abbas Alidi se sont penchés sur le sujet. Avec tous nos invités, on va regarder ce reportage et on revient juste après sur ce plateau pour en parler. Reportage. Le traitement des déchets constitue un défi de tout premier ordre pour l'île aux lagons. Compte tenu de l'insularité du territoire, les autorités sont contraintes de trouver des solutions alternatives afin que Mayotte ne croule pas sous les déchets. Et lorsque l'on pose la question aux passants « Savez-vous comment sont traités vos déchets à Mayotte ?», nombreux sont ceux à donner leur langue au chat. Absolument pas, non. Non, même pas. Je ne sais pas vraiment. Ils mettent les bacs partout, mais on ne sait pas comment ils les traitent. Je vois seulement des camions poubelles qui passent partout et qui prennent, mais je ne sais pas après ce qui se passe après. Le Code des collectivités territoriales et la loi NOTRe posent le principe de confier la compétence de la collecte et du traitement de nos déchets aux collectivités territoriales. À Mayotte, les 17 communes, puis maintenant les intercommunalités ont tranché. Le Sidevam 976 collecte les déchets de toutes les communes, à l'exception de Mamoudzou, qui la gère seule. En ce qui concerne le traitement, la mission est confiée par délégation de services publics à la STAR. Mais alors, comment cette entreprise traite nos déchets ménagers? Normalement, ils sont broyés, sinon on met le feu à certains, mais pas tous. On recycle les différents matériaux, après on les met dans différents packs, après on recycle ce qui peut être recyclé. Tous les déchets Mayotte, des petites terres, ouais. Des petites terres, sud, centre, nord, tout ça, à Djemouye. Non, pas vraiment, je sais qu'ils sont ramassés. Ils sont aussi stockés ou enfouis, je crois, dans les deux décharges du nord. Les déchets sont traités par enfouissement. Donc, y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'incinérateur. Si on ramasse tous les déchets, on creuse un gros trou et puis on met tout ça dedans. Depuis 2014, une installation de stockage des déchets non dangereux, ISDND, a vu le jour à Djemouye. L'installation d'une capacité de 2 millions de tonnes traite par enfouissement l'ensemble des déchets ménagers et non revalorisables qui sont rapatriés depuis les 4 quais de transfert de l'île. En 2017, l'infrastructure a accueilli près de 65 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. En ce qui concerne les déchets verts, 890 tonnes ont été collectées afin notamment d'en faire du compost. Quant à la collecte des trios, elle mobilise de moins en moins d'usagers selon les derniers chiffres. Par ailleurs, il n'existe pas à ce jour d'unité de valorisation des déchets d'emballage ménagers à Mayotte. Ceux-ci sont donc pour l'instant recyclés hors du territoire, ce qui crée un impact environnemental considérable et nuit à la création d'emplois. En Afrique du Sud pour le verre, en Asie pour l'acier, l'aluminium, les bouteilles et flacons plastiques. Toutefois, des solutions techniques et économiques, inspirées de certains DOM, sont à l'étude pour assurer une valorisation locale des emballages.
Selon la loi du 17 août 2015 et le code de l'environnement, tous nos déchets doivent au maximum être recyclés. Et quand ce n'est pas possible, ils doivent permettre de fabriquer de l'énergie. Première question, évidemment, elle est pour Mahdi Saïd. Mahdi Saïd, bonjour. Vous êtes là en tant que simple citoyen, on le disait tout à l'heure, mais vous êtes tout de même un citoyen averti, puisque vous êtes le fondateur du CIDEVAM. Est-ce que, vis-à-vis de cette loi, on est hors la loi à Mayotte ou pas? Oui, bonjour. Non, on peut pas être on peut pas dire qu'on est hors la loi. Au contraire, on doit s'y mettre. Il y a une loi pour le traitement des déchets, donc effectivement, on a mis en place certaines choses pour Mayotte pour pouvoir traiter le déchet. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore pas mal de décharges, j'allais dire sauvages, sur Mayotte. Elles n'existent plus depuis combien de temps? Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais 3-4 ans, je crois, non? 3-4 ans. Ouais. Et dire que Mahdi Saïd est le fondateur de CIDEVAM, c'est trop. mais c'est la réalité. C'est un projet que Mahdi Saïd a trouvé un chemin et puis il a travaillé dessus. Mais en tout cas, il existe aujourd'hui ce projet. Aujourd'hui, la plupart de nos déchets sont enfouis. Hein, enfouis à l'ISDND. Pourquoi ils le sont à l'ISDND? C'est parce que oui, on doit s'appliquer, on doit se mettre avec l'Union européenne. Ouais. L'Union européenne a exigé que les déchets à Mayotte soient traités au même niveau que national. Mmh. Donc on s'y met. Oui, là on n'a pas le choix de toute manière. Hein. On n'a pas le choix. Il est prévu qu'il y en ait d'autres sur l'île? D'après ce que j'ai compris, on ne peut pas avoir une autre ISDND sur Mayotte, puisque ce site a été cherché longuement. Il y a eu du travail là-dessus, des techniciens, des élus qui étaient dévoués, qui avaient compris aussi l'enjeu pour traiter le déchet. Donc il y a eu un travail énorme qui a été fait. Ce site-là a été trouvé, il est le seul, à ma connaissance, sauf s'il y a autre site qui va se... qu'on va voir le jour un jour, mais pas aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ce que j'entends. Ouais. Ce genre de site a une durée de vie de 30 ans et en fait, c'est un trou aux normes, mais c'est un gros trou où on met effectivement nos déchets et il se remplit très vite, peut-être même plus vite que prévu. Est-ce qu'il faut penser à une autre forme de traitement déjà? Oui, il se remplit simplement parce qu'il faut savoir aussi qu'en même temps, l'ISDND, on devrait d'abord trier. Donc la notion de trier, c'est pas encore totalement acquis pour nous. Donc forcément, il y a des déchets qui ne devraient pas se trouver à Dzoumogné. Donc réfléchir sur une autre manière de traiter, oui. Laquelle? L'incinération peut-être? C'est une idée. Par exemple, c'est une idée. Ouais. Ça fait de l'énergie. Pourquoi ne pas réfléchir tout de suite là-dessus? Parce que 30 ans, ça arrive vite. Effectivement, pour l'instant, il y a trop de choses qui ne devraient pas y aller à Dzoumogné. Ils y vont quand même parce qu'on n'a pas le choix. Iyab, pour vous, c'est quelque chose qui est possible d'imaginer un centre d'incinération comme ça? C'est à étudier en tout cas. Le conseil départemental doit mettre à jour, enfin doit élaborer un nouveau plan de gestion des déchets à l'échelle du département qui va entre guillemets remplacer celui qui a déjà été élaboré en 2010 et qui était à l'initiative de la construction de cette ISDND. Et donc, effectivement, ce plan devra notamment étudier les possibilités à terme de traitement des déchets autres que l'ISDND, parce qu'effectivement, l'ISDND a une durée de vie limitée, durée de vie qui avait été prévue par ce plan 2010, qui est à peu près, on est dans les clous au niveau du rythme, mais on ne peut pas prédire effectivement de ce que ce sera dans encore quelques années. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. C'est l'enfouissement, l'incinération, c'est pas pour tout de suite. Ok, on y pense, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a ça ou le tri sélectif. Exactement. Bah, c'est tout. C'est pas où, effectivement, les deux doivent se mener de concert. Parce qu'effectivement, sur le rythme de remplissage de l'ISDND, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a évidemment la croissance démographique. Hein. Plus on est sur cette île, plus on produit de déchets. Il y a le fait qu'on arrive à collecter de plus en plus de déchets sur l'île. Donc évidemment, on en dirige de plus en plus à l'ISDND. Donc ça favorise effectivement l'augmentation de l'enfouissement. Et par contre, le facteur qui peut diminuer le rythme de remplissage de l'ISDND, c'est le tri sélectif et les détournements de certains flux de déchets de l'enfouissement pour les recycler, pour les valoriser. Ouais, le tri, l'enfouissement, pour l'instant, on peut pas les opposer, ça doit aller ensemble, mais forcément, d'ici 30 ans, en tout cas avant, peut-être même 20 ans, il va falloir trouver une autre solution, clairement. Il faut anticiper effectivement la fin de vie de l'ISDND. Ouais. Donc on sait très bien à quel point certains projets peuvent mettre du temps aussi à se mettre en place ici. Il faut l'étudier. On connaît aussi la rareté du foncier à Mayotte. Hein, effectivement, un site comme l'ISDND qui est un site idéal, effectivement, c'est un
comme vous dites, c'est un trou, mais parfait, ouais, aux normes, enclavé, ouais, à l'abri du vent, ouais, à l'abri, éloigné aussi des communes environnantes. Donc vraiment, c'est une des décharges les plus modernes de France, il faut le souligner aussi, ouais, parce qu'elle est récente, hein, inaugurée en 2014. Mais il faut étudier effectivement les suites, et ça pourra être fait dans le plan qui est actuellement à l'œuvre par le conseil départemental. Qu'est-ce que sont devenues ces anciennes décharges sauvages? On sait aujourd'hui, Mali Saïd? Oui, les anciennes décharges, au moment de la construction de l'SDND, il y avait aussi cette condition de les réhabiliter. Mmh. Donc je pense que les autorités, les personnes, les collectivités qui ont la charge de ces déchets, ils y travaillent là-dessus. Mmh. Ils y travaillent là-dessus pour justement réhabiliter ces engins de décharge et puis peut-être les utiliser pour faire autre chose. Mmh. L'ISDND, on parle bien de produits non dangereux. Hein. Oui. On aura l'occasion de parler. Il faut peut-être souligner effectivement les initiales peut-être de ISDND, installation de stockage des déchets non dangereux. C'est ça. Donc c'était important de le dire. On va rester sur le traitement, le recyclage, mais on va essayer d'aborder un autre sujet avec Andrian Toalibo qui est avec nous. Andrian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'exploitation de chez Enzo Recyclage, Enzo Technique Recyclage. Quelles sont les possibilités en termes de recyclage à Mayotte? Alors, à ce jour, il y a plusieurs filières de recyclage qui existent. Alors, je ne parle pas de recyclage, je parle de valorisation. Parce que le recyclage, c'est une suite de valorisation des déchets. Okay. Donc, aujourd'hui, principalement, la valorisation se fait par export. Donc, les déchets sont conditionnés, sont préparés localement, donc sur le site, que ce soit chez nous. Mmh. Et ensuite, ils sont expédiés vers des usines qui peuvent justement transformer le déchet, donc le recycler pour à nouveau refaire la matière associée. Mmh. Donc, en fait, c'est ça. On collecte, on conditionne et on envoie à l'extérieur. On envoie à l'extérieur. Et on envoie où? Alors, aujourd'hui, il y a une convention en fait qui est mise en place, donc la convention de Bâle, qui régit les transferts transfrontaliers des déchets à travers le monde. Mmh. Donc cette convention exige certains pays qui peuvent recevoir des déchets, d'autres non parce qu'ils ne sont pas signataires, etc. Donc pour les déchets dangereux, aujourd'hui la destination c'est la métropole, principalement. Comment on arrive à dégager des bénéfices? Comment on arrive à gagner de l'argent avec du déchet? Le principe, il est simple. Oui. On a deux sources, en fait, de recettes. Mmh. La première source, c'est les prestations qu'on propose à nos clients. Par exemple, on appelle les recettes d'exploitation. C'est-à-dire, j'ai des contrats avec des entreprises à Mayotte qui acceptent qu'on ramasse leurs déchets aux frais. D'accord. Voilà, par rapport à des frais. D'accord. Donc, ça, c'est la première source de recettes. Deuxième source, les déchets, ils ont une valeur marchande. C'est-à-dire, on peut... à travers l'export, en fait, on a des acheteurs qui acceptent en fait d'acheter les déchets par rapport à des cours mondiaux. D'accord. Donc c'est à partir comme le cuivre ou ce genre de choses, quoi. Ouais. IAB, c'est quand on voit ces entreprises qui ont effectivement ce type d'initiative, est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues par l'État pour aider ces entreprises ou pas? Ou chacun doit se débrouiller comme on peut, comme dans n'importe quelle entreprise? Non, effectivement, il y a des subventions, que ce soit au niveau de l'État ou même de l'Europe, pour accompagner ces entreprises, associations, porteurs de projets de manière générale, pour le traitement et notamment, évidemment, la valorisation des déchets, la valorisation locale des déchets, parce qu'effectivement, la majorité des déchets pour être valorisés à Mayotte le sont par l'export. Mali Saïd, imaginons, j'ai ma machine à laver. Elle est foutue, elle marche plus. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Déjà, une machine à laver qui ne marche plus, on ne doit pas le sortir. Première chose, la machine à laver qui ne marche plus, on doit déjà, quand on achète une autre, on doit demander au commerçant déjà de le récupérer pour éviter qu'il soit au bord de la route. IAB, déjà un déchet dangereux, c'est quoi? Exemple. Exemple, on vient de le citer, la machine à laver, parce qu'il y a comment des matériaux. La machine à laver peut être un déchet dangereux. Il y a des matériaux polluants, effectivement, au sein de la machine à laver. Elle doit être décortiquée de façon minutieuse, effectivement, et pas au bord de la route et en laissant la carcasse. Ouais. On peut penser aussi, évidemment, à un autre électroménager qui va peut-être vous paraître plus évident comme déchet dangereux, c'est le frigo. Parce qu'il y a des fluides frigorigènes, là, qui sont effectivement polluants et dont il faut manier avec précaution.
Les batteries, j'imagine. Les batteries, les piles, évidemment. Ouais. Ce sont des déchets dangereux. Les ampoules néon, etc., etc. Il y a un traitement particulier pour les produits dangereux. Alors, les non dangereux, on peut les déformer. Ça veut dire qu'on peut les conditionner, soit on les découpe, soit on les broie, soit on les compacte. Les déchets dangereux, on ne peut pas les déformer. Mmh. On les stocke pour avoir une quantité suffisante pour pouvoir l'exporter. Comme je disais tout à l'heure, l'export il est obligatoire vers la métropole parce que c'est un déchet dangereux. Vous stockez chez vous donc un certain nombre de déchets dangereux. Voilà, exactement. La prévention de la réduction des déchets, comment arriver à impliquer les habitants, les citoyens? Comment, moi, vous pouvez arriver à me convaincre à gérer autrement? La base, effectivement, et là où encore on peut s'améliorer à Mayotte, c'est d'améliorer la collecte, tout simplement, des déchets, parce qu'on sait qu'il y a certains endroits encore à Mayotte qui sont insuffisamment collectés, on y vient petit à petit. Et ensuite, au-delà de la collecte, c'est de favoriser le tri sélectif, et donc de mettre les dispositifs auprès de la population pour faire ce tri sélectif. Et c'est aussi d'essayer de favoriser au maximum le tri sélectif des autres matériaux. On a parlé de l'électroménager, on a parlé des déchets verts. C'est quand même, je dirais, bête, par exemple, que certains déchets verts qui sont jetés avec nos déchets ménagers partent finalement à l'enfouissement, alors que c'est une matière valorisable très facilement en compost. Donc c'est essayer de sensibiliser la population à ce tri sélectif, et on cite souvent en termes de prévention des déchets les 3 R, réduire, réutiliser, réemployer. Andréan, quelque part sur une de mes fiches, on m'explique que quelque part au fond de votre jardin, vous avez un four aluminium. C'est quoi ce projet? C'est simple, en fait c'est comme une fonderie, donc c'est de pouvoir fondre les déchets d'aluminium et de pouvoir derrière fabriquer des lingots qui ont une valeur plus intéressante dans le marché des cours mondiaux. C'est pas le même prix qu'un lingot d'or, assurément. Mais ça vaut cher. Ça vaut cher quand même. Ça vaut cher quand même. Merci infiniment. Il va falloir en reparler de ces traitements et la manière dont on traite nos déchets. Vous reviendrez sur ce plateau, que ce soit Madi Saïd, que ce soit Iyab Ismaïl, que ce soit Andrian Toualibo et peut-être même Anne Constance. En tout cas, merci mille fois d'être venu sur ce plateau. Nous sommes partis à la rencontre également de la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, et elle nous dévoile en exclusivité pour agir pour l'environnement. Elle nous dévoile en exclusivité sa vision politique de l'environnement. On écoute, on regarde et on revient juste après. Alors vous savez, Mayotte a une richesse extraordinaire, c'est sa biodiversité, c'est notamment son lagon bien sûr, mais c'est aussi l'ensemble de ce qu'on peut y trouver. J'ai eu le plaisir de pouvoir me rendre à Mayotte, d'y rester une semaine, et donc d'aller aussi sur ce lagon, de découvrir les baleines, les tortues, la mangrove, et on voit bien que toute cette richesse doit être davantage protégée, bien sûr, mais aussi davantage être mise en valeur. Et moi je crois beaucoup à la fois à la protection de l'environnement, mais à sa mise en valeur dans un but aussi de développement économique, et je pense notamment au développement du tourisme. Alors, il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur ce secteur, qui est la protection de la biodiversité, la mise en valeur des richesses du territoire. C'est à la fois l'État, la collectivité, les associations, les organismes qui participent à cette protection. Et il est important maintenant que la population s'en saisisse davantage. Non, cette émission n'est pas terminée puisque c'est le moment de retrouver Anne Constance et sa petite Bonnie. Qu'est-ce que c'est? On va le découvrir tout de suite. Alors Anne Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Toutes les semaines, on va vous retrouver dans cette émission Agir pour l'environnement, et vous allez nous donner à chaque fois quelques chiffres. Moi, j'ai des petites questions évidemment à vous poser. On disait tout à l'heure qu'on génère 65 000 tonnes de déchets par an, grosso modo 177 tonnes tous les jours. Oui. Ça représente quoi? Parce que c'est vrai que ce ne sont que des chiffres, on a du mal à imaginer. Mais on va prendre un exemple. Oui. Par exemple, une Twingo. Comme la mienne. Comme la vôtre. D'accord. Elle pèse 885 kilos, votre Twingo. C'est ça, je la pèse tous les matins. Voilà. Et ben donc, chaque jour à Mayotte, on collecte 201 Twingo. Tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Sur ces 65 000 tonnes, il y en a combien qui sont
concernés par les déchets verts? Alors malheureusement, et Iab le disait tout à l'heure, malheureusement on ne collecte que 889 tonnes de déchets verts qui partent effectivement pour être traités dans les installations adaptées. Et donc il faudrait effectivement qu'on arrive à prélever davantage de déchets verts dans le volume des ordures ménagères pour que ça ne parte pas dans l'enfouissement tel que vous le décriviez tout à l'heure. Et comment on peut faire pour... Du tri sélectif, c'est-à-dire les isoler et ne pas les mettre dans la poubelle ou ne pas jeter son sac poubelle spontanément dans les feuilles de bananier au bord de la route. On traite 212 tonnes de boue pré-traitée. Oui. Alors déjà, c'est quoi des boues pré-traitées? Ben, c'est ce qui sort des stations d'épuration. Donc c'est le résidu en fait de l'assainissement collectif, puisqu'il n'y a que de l'assainissement collectif à Mayotte. C'est le résidu de l'assainissement collectif des 10 000 foyers qui sont connectés à ces réseaux. En 2015, j'ai encore des chiffres, hein. En 2015, on avait seulement 60 000 tonnes de déchets collectés. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les années passent, plus on en génère? Plus les années passent, plus on en génère. Le rythme d'augmentation est d'environ 7% par an. Alors, il est lié à deux raisons principales, hein. La première, c'est la croissance démographique. Plus on est nombreux, plus on produit de déchets. Oui. Et puis aussi, l'augmentation du niveau de vie des habitants. Plus on a les moyens, plus on consomme. Donc, plus on consomme, plus on jette. Et il va falloir vite changer nos habitudes, forcément. Oui. Hein. Habitude de consommation, habitude sur le tri, sur la manière de vivre, tout simplement. C'est quand même une révolution, hein. C'est une autre manière de considérer la vie dans son foyer. Vous restez avec nous, on a plein de petites questions à vous poser, notamment sur les gestes, la fameuse Echati. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Echati aujourd'hui? Echati, elle va venir nous voir un petit peu toutes les semaines. Mais et oui, elle va nous regardez, elle est là derrière moi, elle est jolie. Elle va nous donner quelques petits conseils Echati et aujourd'hui elle va nous en donner quatre. Ouais. Le premier, le plus évident, hein, c'est je ne jette pas mes déchets par terre, dans la rue, dans la forêt, à la plage. Pour éviter les pollutions. Ça paraît évident quand on le dit. Hein. Oui, mais quand vous vous baladez, vous vous rendez compte encore souvent que les gens jettent une canette, un sopalin, ouvrent une fenêtre et jettent quelque chose de la voiture. Ça, il faut arrêter de le faire. C'est vrai. Encore un conseil d'Echati. Oui, Echati dit qu'il faut mettre ses déchets recyclables dans les contenants adaptés. Mmh. Et si vous cherchez les contenants adaptés, mais vous allez sur Internet, sur le site tri-déchetsmayotte.yt et vous trouverez déchets par déchets, toutes les cartographies à jour des lieux où vous pouvez déposer vos déchets à recycler. Alors là, je vois sur ma fiche, je composte mes restes alimentaires. Là, vous m'expliquez. Oui, alors vous pouvez acheter dans le commerce des petits bacs à compostage. Certaines collectivités, je pense notamment à la Petite Terre, fournissent des bacs à compostage à leurs habitants, hein, résidents de ces communes. Et vous déposez à l'intérieur vos restes alimentaires. Ils vont, par un processus qu'on ne va pas décrire ici, mais ils vont se transformer en compost. Et vous pouvez utiliser ce compost pour enrichir le sol de votre jardin. Et si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez enrichir vos pots de fleurs. C'est incroyable ça. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire du compost chez nous à la maison. Exactement. Donc vous imaginez, si vous prélevez vos restes alimentaires des 65 000 tonnes que l'on a évoquées tout à l'heure, dans quelle proportion et à quelle vitesse vous allez pouvoir réduire le volume de déchets enfouis à l'ISDND. Et c'est des gestes faciles, même les enfants. Moi, mes enfants le font par exemple. Ouais. Je ne brûle pas mes déchets. Oui, ça il le disait il y a tout à l'heure. Hein. Oui. On ne brûle pas ses déchets pour plusieurs raisons, parce qu'on émet des gaz à effet de serre, donc on accélère le réchauffement climatique, donc on fait qu'il pleut moins, par exemple, hein, pour Mayotte. Ouais. Et puis, conséquence aussi pour la santé humaine, on inhale des vapeurs toxiques qui endommagent les voies respiratoires. Non, mais les déchets verts, ça, on peut les brûler? Non, on les brûle pas, parce que ça brûle, et donc dans les fumées, il y a ces fameux gaz toxiques dont je vous parlais. Les déchets verts, vous les mettez correctement au bord de la route, pas en mélange avec les ordures ménagères. Le CIDEVAM et la commune de Mamoudzou ramasseront vos déchets verts suivant des calendriers qui sont élaborés et disponibles en mairie. Et ils viendront augmenter les 889 tonnes déjà prélevées par an. D'accord. Et ça aussi, ça va être enfoui? Non, c'est pas enfoui. On crée sur l'ISDND de Dzoumonié, il y a un casier spécifique ça. Pour ça. Voilà, et on fait du compost à très grande échelle. Merci beaucoup Anne-Constance pour toutes ces petites informations. Merci également à tous nos invités qui étaient aujourd'hui sur ce plateau. Évidemment, on y voit plus clair. Un grand merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à fabriquer cette émission, notamment aux équipes d'Incidence, aux équipes de Quasi. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de APE. C'est simple, ça sera sur la même chaîne, à peu près à la même heure.
agir pour l'environnement. On y croit tous ici, on est d'accord. Hein. En tout cas, moi, c'est sûr, j'y crois. Allez, salut, à la semaine prochaine.